En France, 145 000 enfants et adolescents sont confiés à l'aide sociale à l'enfance par décision judiciaire ou administrative. La moitié d'entre eux vont alors vivre pour une période indéterminée dans une famille d'accueil. La mission de ces professionnels, les assistants familiaux, procurer aux enfants placés, et souvent d'ailleurs en souffrance, un cadre de vie chaleureux, mais aussi structurant. Alors comment et pourquoi devient-on famille d'accueil? Quel lien se tisse avec les enfants placés? Comment les propres enfants des assistants familiaux vivent-ils cette cohabitation? Pour en parler ce matin, nous recevons Vanessa. Bonjour Vanessa. Bonjour. Bienvenue. Vous avez quatre filles qui sont âgées de 9 à 20 ans. Ça, ce sont vos filles. Et puis vous êtes aussi assistante familiale depuis 9 ans. En ce moment, vous accueillez trois enfants placés, deux frères de 12 et 14 ans, Martin et Jules, et puis un petit garçon de 8 ans qui s'appelle Léo. À vos côtés, il y a Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors vous avez deux grands-fils, vous, qui ont 17 et 20 ans. Et avec votre, donc ça c'est avec votre femme Séverine. Tous les deux, vous êtes devenus assistants familiaux. Chacun de votre côté finalement. Oui, l'aide sociale à l'enfance vous a confié 5 enfants. Vous pouvez nous expliquer pourquoi il y en a 5? Alors moi personnellement, je ne viens pas du milieu social. Donc moi j'étais contremaître. Donc ma femme avait un projet avec moi-même pour accueillir des enfants depuis très très longtemps. Donc elle s'est lancée il y a déjà une dizaine d'années. Donc nous accueillions une fratrie à l'époque, que nous avons toujours d'ailleurs. Donc un petit garçon, une petite fille, qui ont actuellement 7 et 9 ans. Du coup, le projet l'a mûri. Voyant ses enfants à la maison régulièrement, eh bien, moi aussi je me suis lancé. Donc là actuellement, j'accueille donc une fratrie aussi de deux petites filles, donc de 9 et 3 ans. Ça explique donc que vous avez 5 enfants. Il y a un petit bébé aussi. Ah, il y a un petit bébé. Ouais. Alors ça, c'est un autre projet. Donc ce projet, en fait, c'est les enfants qui sont nés dans le secret. Et donc, il nous est confié depuis 2 mois. Et on va en reparler. Hein. Ouais. On comprend bien que donc vous avez à peu près toutes les configurations dans votre famille, tous les âges. Donc, vous allez nous raconter ça dans un instant. Sûr. Et puis, pour nous éclairer sur ce sujet, Claude Almos, bonjour. Bonjour. On est particulièrement heureux de vous avoir. Vous êtes psychanalyste, évidemment, spécialiste de l'enfance et notamment de l'enfance maltraitée, bien connu des médias, puisque vous avez une chronique sur France Info. Vous répondez au courrier des lecteurs de Psychologie Magazine, entre autres, au pluriel. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, dont Savoir-être, paru chez Pocket. Bienvenue dans la maison des maternelles. Donc, on a bien compris pourquoi, Philippe, vous aviez souhaité être assistant familial. Finalement, elle vous a un peu donné le virus, votre femme. Oui, puis au quotidien, je me suis investi avec elle sur les enfants qu'elle accueillait. Et du coup, le projet, elle a mûri, quoi, tout simplement. Hein, 8 ans, 8 ans à s'investir. La quarantaine passe et voilà, je me suis lancé aussi. Alors, toutes les familles d'accueil n'accueillent pas des petits bébés. Pourquoi est-ce que vous... vous l'avez souhaité et comment ça s'est passé l'accueil du petit Louis? Eh bien, en fait, tout simplement, on se sent à l'aise avec les petits. Hein. Nos enfants finissent leur crise d'adolescence ou sont encore adolescents, donc on préfère les petits pour pas créer de discorde au sein de notre foyer non plus. Et c'est vraiment, c'est magnifique. Il est magnifique en plus, ce petit qu'on accueille. Hein. Alors, on s'attend pas forcément, je sais pas pourquoi, à voir un homme être famille d'accueil. Qu'est-ce que ça leur apporte à ces enfants placés? Alors déjà, ça représente 10% sur le bassin où je travaille, hein, les hommes familles d'accueil. Entre autres, qu'est-ce que ça leur apporte? Ben, tout simplement, souvent, c'est les enfants qui viennent de familles monoparentales. Voilà, donc la plupart du temps, les enfants sont confiés. Pas de figure paternelle. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc c'est ce que je m'oblige à faire un petit peu, voilà, cuisiner avec eux, faire voir que voilà, un homme peut faire la cuisine, peut faire des tâches ménagères, etc., faire du jardin, enfin voilà, au quotidien, leur faire voir ce que fait un papa, quoi. Mmh. Voilà. Vanessa, pourquoi vous avez choisi ce métier, vous? Alors parce moi, que c'est suis... un vrai métier, hein. Faut quand même insister là-dessus. Oui, c'est un diplôme d'État. Ouais. Voilà. C'est un vrai métier. Alors moi, je suis éducatrice spécialisée depuis plus de 20 ans et j'ai fait le choix, il y a une dizaine d'années, de quitter le monde institutionnel. Je ne supportais plus de voir certains dysfonctionnements et la vie... D'accompagnement et de violence de la part des plus grands sur les plus petits, Et je me disais qu'il y avait des enfants. Parallèlement, on travaillait avec des familles d'accueil, donc je me suis vite rendu compte qu'il y avait des enfants qui avaient beaucoup plus leur place pour bien grandir sereinement dans l'accueil familial. Donc j'ai fait le choix de me tourner vers l'accueil familial. Alors vous avez accueilli combien d'enfants depuis 9 ans, Vanessa? Alors, et combien de temps ont-ils été placés chez... Alors à temps plein, sur des périodes de quelques mois à quelques années, on a accueilli, parce qu'on est une famille d'accueil, on a accueilli
9 enfants. Et parallèlement, on fait aussi du relais, puisque comme c'est un métier, nous avons aussi besoin de prendre des congés. Donc on fait du relais entre collègues. Donc j'ai accueilli 4 ou 5 enfants sur des temps de relais. D'accord, donc ça, ça veut dire pendant les vacances pendant les, voilà, les par week-ends. Exemple, lorsque moi je prends des vacances, et les enfants que j'accueille vont en relais. Alors on essaye que ce soit toujours la même famille d'accueil qui les accueille en relais. Et inversement, j'accueille en relais des enfants quand mes collègues sont en congé. Et quels sont les profils des enfants que vous accueillez, en règle générale ? Alors, en règle générale, moi, globalement, j'accueille énormément... Je travaille plus avec des adolescents, c'est un choix. Là, en ce moment, on a parmi nous à la maison un petit bonhomme de 8 ans. Mais ce sont des enfants qui ont des grandes carences éducatives, qui ont vécu... une maltraitance psychologique, des abus importants. Donc, c'est des enfants qui vont développer du trouble du comportement, des enfants qui vont pouvoir faire des crises de colère, qui vont être en difficulté d'apprentissage scolaire, certains vont avoir des troubles psychomoteurs. Voilà. C'est une vraie vocation. On rappelle que parfois, les enfants sont placés à la demande des parents parce qu'ils ont des difficultés passagères. Ça peut être une maladie, des difficultés sociales, etc. Enfin, la plupart du temps, c'est quand même la justice qui décide de les placer parce qu'ils sont considérés comme en danger. Claude Almos, en quoi le rôle des assistants familiaux, il est déterminant pour ces enfants en souffrance ? Alors, il est absolument déterminant. Hein. Vous avez rappelé que c'était un métier... C'est un métier et c'est un travail très très complexe, beaucoup plus complexe qu'on le croit. Pourquoi ? Parce qu'un enfant qui est maltraité, on sait que c'est un enfant qui a souffert. Mais pas seulement. C'est un enfant dont la construction a été interrompue ou déviée par la maltraitance. Hein, le psychisme, ça se construit exactement comme le corps. Donc si le corps subit un accident, une maladie, bah, la construction du corps, on sait que ça pêche. Le psychisme, c'est pareil. Donc un enfant qui est maltraité, il a besoin d'abord d'être retiré à sa famille, en tout cas que ses parents soient punis, pas parce que c'est la vengeance, hein, pour comprendre que le monde n'est pas la jungle dans laquelle il a vécu jusque-là, qu'il y a des lois, qu'on ne peut pas les transgresser, que les enfants doivent être protégés et que bah, les gens qui leur font du mal, on les punit. La société les punit. Ah, on le cache surtout pas. Donc il faut qu'ils soient punis parce que ça remet pour l'enfant le monde sur ses pieds. Hein. On sort de la jungle et voilà. Il faut d'autre part qu'on explique à cet enfant pourquoi ses parents ont fait ça. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas que l'enfant s'imagine que ses parents c'était des méchants, des mauvais, des monstres. Personne ne naît monstre. On peut faire des choses monstrueuses sans être un monstre. Parce qu'on a vécu soi-même, enfant, des choses monstrueuses, ça n'excuse pas. Mais ça explique qu'il faut que l'enfant comprenne ça, parce que imaginer qu'on est issu d'un monstre, c'est pas terrible pour l'image qu'on va avoir de soi après. Bon, et puis après, il faut que l'enfant se reconstruise. Mais attention, on dit se reconstruire, maintenant c'est un gentil mot comme ça, mais il faut voir ce que c'est. Il faut comprendre les dégâts, c'est comme réparer une maison après une inondation. Hein. Il faut comprendre quels ont été les dégâts, jusqu'où ça a été, et voir comment on peut les réparer. Alors, dans ce travail d'évaluation des dégâts et de réparation, bien sûr, il y a les psys comme moi, c'est un travail d'équipe. Hein. Il y a les psys comme moi, mais les psys tout seuls, c'est alors pas la peine. On voit qu'ils ont un véritable rôle thérapeutique. Hein, ah mais justement, Qu'ils sont suffisamment aidés. Alors, ils ont un rôle thérapeutique parce qu'un enfant, c'est pas une plante verte. Ils ont un rôle thérapeutique parce que l'enfant, la première chose qu'il va faire, c'est faire se répéter les choses qu'il a vécues. Ça nous permet, si on travaille avec les familles d'accueil, nous les psys, de savoir ce que l'enfant a vécu, de faire des hypothèses et de les valider et de lui expliquer ce qu'il a pas compris jusque-là, donc de remettre des choses en place. Alors, ils sont aidés ou pas aidés, ça dépend évidemment des départements, des lieux. Souvent, ils ne sont pas aussi aidés qu'ils devraient l'être, mais pas parce que les services sociaux sont méchants, parce qu'on méconnaît la gravité des dommages psychologiques subis par un enfant. Si vous voulez, on est dans les bons sentiments, en gros. Enfin, je caricature un peu, mais à peine. Hein. Y a des familles de cœur qui reçoivent des enfants, et puis on va leur donner une bonne famille, ils vont être bien, ils vont se reconstruire. C'est pas vrai. Un enfant, il a acquis des fonctionnements qui sont liés au milieu pathogène dans lequel il a vécu. Il faut qu'on comprenne quels ils sont, qu'est-ce qui s'est mis dans la tête, ce qui ne va pas de soi, et il faut l'aider à reconstruire ça. J'ai travaillé avec des familles d'accueil comme ça, pour des enfants très très mal, c'était vraiment souvent des discussions quasiment tous les jours, il a fait ça, etc. Parce que sinon, c'est intenable pour la famille d'accueil, parce que la famille d'accueil va s'imaginer que c'est avec elle que ça se passe, pas du tout. L'enfant, il répète avec l'adulte comme il va répéter avec l'instit. Donc il faut c'est ça qui va permettre que la famille supporte, mais en même temps qu'on comprenne
comprennent ce qui se passe et qu'on aide l'enfant. Donc c'est vraiment fondamental, et tous ces ratages qu'on voit si souvent, nous les psys, on reçoit des enfants dans les services, on voit qu'ils ont subi un placement, deux placements, trois placements, ça a échoué, c'est toujours parce que c'était pas suffisamment travaillé avec les familles d'accueil. Donc c'est essentiel leur travail. Voilà, et ça on va vraiment insister là-dessus. Philippe, les enfants, ils se sont facilement intégrés à votre famille ? Non, ça se dépend des enfants, bien sûr. Il y en a qui sont plus aptes à rentrer dans votre famille, à s'installer. Voilà, par exemple, le petit Ethan que j'ai accueilli, mon premier accueil, lui, c'est un garçon, on aurait cru qu'il était né dans la maison, quoi. Enfin, oui. Voilà, ça a été très rapide, son intégration. D'autres, ben, voilà, c'est plus difficile. Alors, voilà, il faut les faire participer au quotidien de la vie, de la maison. Essayer de les faire partie. Oui. Et les faire participer. Et les bébés, on s'en occupe pareil que les plus grands? Non, quand même pas. Non, on les stimule beaucoup plus, hein, quand même. C'est ça. Il y a une activation de la vie. Voilà, il faut quand même savoir qu'ils peuvent avoir certains syndromes et voilà, ils partent dans des choses où ils réclament beaucoup de biberons, ils pleurent beaucoup. Alors là, il faut veiller. Et, voilà, il faut être constamment sur eux. Il faut et être on donne peut-être un peu plus d'amour à un bébé. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. On stimule vraiment en cocooning, hein, à fond. Vanessa, vous avez donc choisi d'accueillir des enfants un petit peu plus grands. J'imagine que du coup, le travail est un peu différent. Oui, le travail est différent, mais l'objectif reste le même, qu'il se crée un lien, qu'il se crée, que l'enfant, qu'il soit enfant ou adolescent, qu'il soit petit ou grand, il faut qu'il puisse trouver sa place dans notre maison pour qu'on puisse l'aider à grandir et à avancer. Donc, quel que soit l'âge. On va prendre la direction de Calais, si vous le voulez bien, maintenant. On va rencontrer Monique, qui est éducatrice familiale à SOS Village d'Enfants, dont on a beaucoup parlé déjà dans cette émission. Le but, c'est de ne pas séparer les fratries quand les enfants sont placés. Monique s'occupe aujourd'hui de 6 enfants issus de 3 fratries. C'est un reportage de Fleur Mongibaud. Depuis quelques mois, Monique s'occupe de cet enfant de 2 ans au quotidien, nuit et jour. Comme ça. Tu veux qu'on le mette dedans ? Oui. Ah, maintenant c'est rouillé. Pourtant, Monique n'a aucun lien de parenté avec ce petit garçon. Elle est éducatrice familiale pour SOS Village d'Enfants, une association qui permet aux fratries placées de grandir ensemble au sein d'un vrai foyer. Une belle mission à laquelle Monique a été sensible. Voilà, voilà, bravo. J'avais vu un reportage il y a très longtemps, donc sur l'association, il y a peut-être une vingtaine d'années, et j'ai eu un déclic et une envie de travailler avec ces enfants et d'intégrer l'association. Oui. Oui, bah, oh non, ça va pas. Regarde le soleil, il est où là le soleil? J'étais touchée par leurs histoires surtout. Donner à ces enfants à nouveau le sourire et puis voilà, guérir un peu leurs blessures et puis les aider à avancer. Je trouvais que c'était formidable, quoi. Dans cette maison de l'association, l'éducatrice familiale accueille 6 enfants âgés de 12 à 15 ans et issus de 3 fratries différentes. On va aller mettre les chaussures ? On va aller chercher les grands à l'école ? D'accord ? Allez, on y va ? Pour Monique, qui est aussi mère et grand-mère, les journées ressemblent à de vrais marathons. Je suis tout le temps en mouvement, en fait, et j'aime bien ça. Il n'y a pas beaucoup de moments de répit et c'est animé. Le petit garçon attend avec impatience sa grande sœur qui est à l'école maternelle. Ils sont très fusionnels tous les deux. Il y a beaucoup de complicité. Ils sont déjà séparés des parents, donc garder ce lien familial, c'est important. C'est l'anniversaire de qui aujourd'hui ? Bon, et ben encore des bonbons. Tous les jours, presque, des anniversaires. Hein, c'est trop bien. Hein. Après la maternelle, direction l'école élémentaire. La fratrie est maintenant au complet. Rentrer ensemble de l'école, le quotidien pour la plupart des frères et sœurs. Mais pour cette fratrie qui vit sans ses parents, ces moments sont très précieux. Les plus grands sont de retour à la maison. Pendant que les petits jouent, Monique vérifie les devoirs et les carnets de liaison des collégiens. Ah, ça y est, ça tombe, les réunions pour l'orientation. Le jeudi 11 mai 2017 à 17h30 au réfectoire du collège. Il faut donner la réponse, une réponse ou pas? C'est on vient ou on vient pas, en fait. Bah voilà, ils ne sont pas dit de donner de réponse. Le métier d'éducatrice familiale, c'est pas seulement les faire manger ou c'est le côté, bien sûr, éducatif.
Et la scolarité est très importante parce que moi, je veux leur donner enfin, le plus de bagages possible pour qu'ils puissent réussir dans la vie et qu'ils avancent avec le moins d'handicap possible. Après, c'est pour notre bien. C'est pour nous aider à avancer, pour réussir à avoir un métier qu'on aime bien plus tard, pour pouvoir faire ce qu'on veut. Une fois les devoirs finis, les grands se rendent dans une annexe de SOS Village d'Enfants, à quelques pas de la maison. À tout à l'heure. Là, une fois par semaine, ils reçoivent un appel téléphonique de leurs parents, en présence d'un membre de l'association. Bonjour. Allô, maman ? Oui, ça va, ma chérie ? Oui, et toi ? Oui. Ça fait quoi aujourd'hui ? J'ai été travailler, puis là, je me rends vais travailler. Aujourd'hui, moi, j'étais à l'école. Ça permet de maintenir un lien indispensable à la construction de chacun. Les enfants ont beau avoir été placés sur une décision judiciaire, pour autant, c'est une histoire qui a commencé avant même d'arriver au village d'enfants, oui. Et une histoire qui doit se construire, oui, encore au présent, sans omettre la famille et tout ce qui s'est passé auparavant. Au revoir, maman. Au revoir, ma chérie. Bonne nuit. Bonne nuit. Des moments d'échange indispensables avec sa maman et auxquels la petite fille de 10 ans est attachée. Ça me fait plaisir, comme ça, et ben, je peux savoir comment elle va et puis elle aussi, elle peut savoir comment je vais. Vivre sans ses parents, une situation très douloureuse pour tout enfant. Mais pour les deux sœurs, pouvoir grandir ensemble, c'est un grand réconfort. Nous, on s'attendait à pire quand on a été placés. On croyait que ça allait pas être bien, que ça allait mal se passer et tout, mais non. Moi, je suis contente d'être avec Monique. Les enfants se retrouvent autour du repas préparé par Monique, qui a su recréer l'atmosphère chaleureuse d'un vrai foyer. Si on vous entend pas, c'est que c'est bon. Ça. Si elle a tout d'une maman de substitution, Monique tient à ce que les enfants l'appellent « Tata ». C'est avec le temps surtout que l'attachement se fait, mais je ne suis pas leur maman, je ne me sens pas comme une maman. Elle a pris un peu la place des parents en attendant qu'on puisse retourner chez nos parents. Ce manque, Monique n'hésite pas à le combler par l'affection. Bonne nuit mon cœur, à demain. Dont petits et grands ont besoin pour grandir au mieux malgré les difficultés. C'est émouvant. Philippe, quels impacts positifs et négatifs est-ce que votre métier de famille d'accueil a eu sur vos propres enfants ? Écoutez, je leur ai posé la question. C'est plus facile. Entre autres, leur tranquillité. Donc là, c'est vrai qu'elle est mise un petit peu à mal. Il y a des enfants qui bougent toute une journée. En même temps, leur intimité aussi. Parce que quand ils reçoivent, il y a tous les enfants qui sont là. Et oui, c'est ta petite copine. Et c'est... Ouais, bon. Donc du coup, oui, ça c'est l'aspect un peu négatif pour eux. Par contre, l'aspect positif, c'est que ils savent s'occuper d'enfants maintenant au quotidien. Ils prennent par exemple le bébé qui a 2 mois, ils le prennent au quotidien, ils donnent le biberon, donc voilà. Ça les responsabilise. C'est mouvant, franchement, c'est mouvant. Il n'y a jamais eu de rivalité avec vos deux fils ? Non, parce qu'il y a toujours un grand écart entre les enfants accueillis et mes enfants. Ils avaient 8-10 ans quand on a accueilli la petite fille qui avait quelques heures. Donc ils ont joué leur rôle de grand frère. Ils ont donné le biberon, ils ont voulu pousser la poussette au quotidien. Non, il n'y a pas une rivalité. Je ne m'en souviens pas en tout cas s'il y en a eu. Alors quand la frontière est aussi ténue entre la vie privée et son métier finalement, comment est-ce qu'on arrive justement à préserver sa vie familiale, Vanessa ? Alors, je crois qu'on essaye au maximum de préserver nos propres enfants. Je crois que c'est pour ça que c'est vrai. On dit que c'est un vrai métier. Il est important justement de s'accorder des temps de week-end en famille, des temps de vacances, comme toute personne qui travaille, et d'être toujours vigilant justement à ce que nos enfants aient toujours bien en tête qu'ils sont dans leur maison, qu'ils vivent avec leur papa et leur maman, et qu'on accueille des enfants, qu'on accompagne des enfants. C'est une notion de partage, c'est une notion... Il faut trouver un équilibre, en fait, entre ces enfants qui doivent avoir une place au sein de notre maison pendant quelques mois, quelques années, pour grandir, et nos propres enfants qui doivent jamais avoir la sensation qu'ils sont mis de côté. Vous faites des différences en termes d'éducation entre vos propres enfants et les enfants que vous accueillez ? Alors nous, à la maison, les bases, les valeurs sont les mêmes pour tous les enfants. Après, forcément, tous les enfants qu'on accueille, comme on dit, arrivent avec leur sac à dos, avec leur histoire. Et on est forcé de s'adapter
tout au long du placement à leurs difficultés, à leur évolution et faire comprendre cela à nos propres enfants aussi, qu'il y a des moments, forcément, il peut y avoir des différences. Mais je crois qu'après, il peut y avoir à certains moments des tensions, des moments un peu plus difficiles, mais nos propres enfants ayant la chance d'avoir cette base affective et éducative qu'il a, ils finissent par comprendre. Claude Almos, est-ce qu'il faut marquer la différence entre ses propres enfants et les enfants qu'on accueille quand on est famille d'accueil? Je crois que c'est important, et pour les enfants de la famille d'accueil et pour les enfants qui sont accueillis. Parce que les enfants qui sont accueillis, ils ont besoin de savoir qu'ils ont là des parents d'amour et d'éducation, mais qu'ils ont une famille biologique et que ça reste leur famille et que ça restera pour toujours leur famille. Donc c'est important de pouvoir dire qu'il y a des enfants soumis à la même vie avec beaucoup d'affection et tout, mais que il y a des enfants qui sont les enfants biologiques de la famille et qui ont une place qui est forcément privilégiée parce que cette place-là, ça ne veut pas dire est une place privilégiée, ça ne veut pas dire privilégiée, ils ont une plus grosse part de tarte, hein. Ça veut dire que dans le cœur, ce n'est pas la même place. Voilà. C'est important que les enfants comprennent, les deux séries d'enfants, c'est important qu'ils comprennent que ça n'est pas la même place, ce n'est pas en termes quantitatifs, ce n'est pas la même place. Voilà. Le métier des familles d'accueil, c'est d'aider un enfant à se reconstruire. Donc les enfants sont pris dans ce bateau-là. Après tout, si leur père était menuisier ou leur maman était menuisière, si ça existe, eh ben, il y aurait des scies et machin à la maison. Là, il y a des enfants parce que c'est ça le travail qu'on fait. Donc, évidemment, il y a un attachement parce qu'il y a aussi, bien sûr, un attachement et il est très important. Il faut qu'il y ait de l'attachement. Sinon, les enfants se vivraient comme des plantes vertes, encore une fois. Mais il y a un travail qui est fait. Mais eux, ils sont les enfants naturels, sont les enfants de la famille. Mais c'est très important de le dire parce que souvent, les familles d'accueil ont peur de faire des différences, que les autres se sentent exclus. Non, c'est voilà. Et ça permet aux enfants accueillis de bien garder en tête qu'ils ont une famille d'origine et que la famille d'accueil ne remplace pas. Et ça, c'est absolument essentiel, parce que sinon, on se construit à côté de ses propres rails. Hein. Alors justement, Philippe, est-ce que vous vous gardez des liens ou est-ce que vous avez des liens avec les familles des enfants que vous accueillez? Alors, des liens, le mot est un peu fort peut-être. Hein. On a des contacts lors des visites, parce qu'on se rend chez les parents, en fait, tout simplement. Voilà, après, des liens... C'est vous qui allez chez les parents et pas les parents qui viennent chez vous? Non, jamais. Là, par contre, là-dessus, oui. Donc, du coup, oui, on va chez les parents, donc on a un contact. On essaie d'investir les parents aussi dans l'éducation, par exemple, faire signer les bulletins de notes, les sorties scolaires, leur faire vivre un petit peu ce que vivent les enfants chez nous. Et ça, c'est important de les faire participer. Ouais. Alors, on parlait d'attachement. Évidemment, la question qu'on se pose, c'est comment vous gérez les départs après, quand les enfants s'en vont? Alors les départs, nous, au département, ils sont préparés. Hein. C'est-à-dire qu'il y a le référent de l'enfant et de la famille qui nous aide à faire ces préparations de départ. Le psychologue peut intervenir aussi. Ça ne se fait pas une fois. Chez nous, ça s'est bien passé. On n'a eu qu'un seul départ. Hein. Donc, c'est un petit garçon qui est parti. Et là, vous avez gardé contact avec lui, par exemple? Eh oui, je le vois au quotidien, bien sûr. Hein. Il me saute dans les bras. Je salue les parents, vraiment, comme vous salueriez quelqu'un dans la rue. Ouais, aucun souci, au contraire. Vanessa, vous avez vécu des grands déchirements ou... Alors, des grands déchirements. On a vécu un départ, enfin plusieurs départs, mais un qui nous a beaucoup marqué, puisque ce jeune a vécu... 7 ans et demi avec nous, et c'est vrai qu'il est, quand il est arrivé, notre dernière qui a aujourd'hui 9 ans était toute petite, donc pour elle ça a été très douloureux parce qu'il y avait un lien très très fort, et il y a un lien très fort avec ce jeune, mais c'est un jeune avec lequel je suis en contact, que je revois au quotidien et qui peut dire qu'on est sa deuxième famille. Donc après il y a des jeunes avec lesquels on va pas garder forcément de contact, mais c'est aussi de leur propre choix, donc c'est à nous de le respecter. Ça dépend aussi, je dirais, du lien qu'on a créé avec des jeunes. Claude Almos, le but, c'est toujours, à terme, que les enfants retournent dans leur famille naturelle. C'est-à-dire qu'il faut que les services sociaux, les psys, etc., fassent un travail avec la famille d'accueil. Mais il y a des cas où c'est possible et il y a des cas où ça n'est pas possible. Vous savez, en France, on vit beaucoup avec l'idée que la famille naturelle est forcément le meilleur lieu pour l'enfant. Ce n'est pas toujours vrai. Quelquefois, c'est mieux, à condition que le lien soit maintenu, qu'on continue à parler... Comme on nous a dit là, avec la famille naturelle, mais c'est mieux que l'enfant soit dans un milieu protégé. Mais il faut travailler avec les parents pour essayer qu'ils comprennent pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait et qu'ils changent, bien sûr. Ça, c'est très important pour l'enfant parce que c'est vital pour lui. En fait, vous ne savez jamais combien de temps vous allez accueillir les enfants? Non, jamais. J'arrive chez vous. Jamais, rarement. Ça se trouve, le petit bébé que vous avez qui a 2 mois, là, le petit Louis, vous allez le garder jusqu'à la fin de ses études?
Alors on attend en fait la décision des parents qui peuvent revenir donc sous les trois premiers mois. Oui, il reste un mois en fait. Oui, il reste un mois, ouais, tout à fait. Et sinon il partira il partira à l'adoption. Ah oui, il partira à l'adoption. Oui, ouais, bah oui. Tout à fait, tout à fait. Ah oh là là, qu'est-ce que je vous admire. C'est dur. Marie, alors Beaucoup de questions s'il vous plaît. Comme celle d'Emeline, comment devient-on famille d'accueil? Quel est votre parcours? Est-ce qu'il est possible de résumer les étapes rapidement? Ouais. Bah, il faut postuler, donc il y a une réunion d'information, après on a un dossier, après une visite d'une assistante sociale. Un dossier PMI. Un dossier PMI. Dans un premier temps. Ouais, tout à fait. Et ensuite, tous les acteurs de la famille passent devant le psychologue. Après, donc là, vous avez l'agrément. On retourne donc devant un jury. Donc là, on vous met en situation. Et après, ben voilà, vous êtes recruté. Et du coup, vous avez un premier accueil. Et voilà. Et c'est lancé. Est-ce qu'il y a des profils de famille qui sont plus recherchés ou enfants en bas âge, familles nombreuses? Je pense qu'il faut évaluer en fonction de l'enfant ce que la famille va pouvoir supporter ou pas. Mais je crois que c'est comme quand on est éducateur, ce qui compte, c'est le désir d'aider un enfant à s'en sortir. Si des gens ont le désir d'aider un enfant à s'en sortir et s'ils sont prêts à travailler, bien sûr, il ne s'agit pas d'avoir des méthodes du genre le faire grimper aux arbres, hein, mais si, ou autre chose, mais s'ils sont prêts à travailler, pourquoi pas, il n'y a pas de profil. Théo nous demande, il a très envie de devenir famille d'accueil, il n'est pas sûr que ses enfants comprennent la démarche. Comment est-ce qu'on en parle avec les aînés, avec les enfants de la famille? Mais simplement parce que c'est la vérité de dire que lui, l'enfant, il sait bien que tout ce qu'on lui a apporté, tout ce dont il a eu besoin, tout ce qu'on lui a apporté pour qu'il puisse grandir, eh ben, il y a des enfants, leurs parents ne peuvent pas parce qu'ils sont méchants, mais parce que eux, quand ils étaient petits, on ne les a pas aidés. Alors ils n'arrivent pas à aider leurs enfants. Eh ben, il y a des familles comme ça qui vont aider ces familles-là à devenir des meilleures familles et puis ses enfants à s'en sortir. Et c'est un super chouette boulot voilà, auquel il pourra participer d'ailleurs, parce que les grands frères d'accueil, c'est bien aussi. Et encore un petit peu des questions pratiques. Mini voudrait savoir si on peut être famille d'accueil quand on est maman solo, et est-ce qu'on peut être famille d'accueil quand on n'a pas eu soi-même d'enfant, ou est-ce que c'est une condition? Alors je crois que ça, il faut poser les problèmes au département. Je ne sais pas comment ça se passe. Maman solo ou papa solo, il n'y a pas de souci. Nous, dans notre département aussi. Et après, le fait d'avoir eu ou non des enfants au préalable, ça ne savait pas. Je pense pas, non. Ouais. C'est pas un frein. Non. On a Claire qui voudrait savoir s'il est prévu d'avoir une formation en amont au niveau psychologique pour ces familles qui accueillent. Est-ce que vous avez un suivi avant même d'avoir les enfants? Oui, il y a une formation. Donc après le recrutement, vous avez une formation de 60 heures. Plus 240 heures. Voilà. Il y a un diplôme d'État à la fin. Et donc du coup, ça vous permet quand même d'aborder la psychologie, du maternage, comment détecter certaines choses. Est-ce que ça suffit pour que les familles ne craquent pas, Claude Almos? Non, pour que les familles ne craquent pas, je crois qu'il faut vraiment qu'il y ait un suivi, parce qu'on ne peut pas dire a priori ce qui va se déclencher dans une famille. Un enfant qui a subi des trucs terribles dans une famille, ça peut être l'équivalent de la dynamite. Alors, il faut vraiment pouvoir déminer, quoi. Vanessa, ça vous manque, vous, de ne pas avoir de suivi, par exemple? Alors non, moi, dans le département où je travaille et avec le service avec lequel je travaille, on est très bien accompagnés. Donc c'est très hétérogène en France. Voilà, en fait, ça dépend vraiment. Des départements. Voilà, et dans un même département. Professionnel qui nous suit, un référent professionnel qui s'installe dès la formation, qui nous soutient au premier accueil et qui après en fait organise des groupes de parole tous les mois. Voilà, donc nous on a ça. On est vraiment suivi. On peut dématérialiser ce qui se passe. Voilà, on peut en parler ouvertement. Ça va dépendre des services, ça va dépendre dans un même service des personnes. Et je dirais que suivant les accompagnements, on peut avoir besoin plus à certains moments qu'à d'autres moments. Suivant. Une dernière question pratique de Valentine. Est-ce qu'il faut avoir une chambre solo pour les enfants qu'on accueille? Est-ce qu'on inclut... Enfin, je ne sais pas comment vous avez fonctionné, mais... Ça, c'est des directives. C'est des directives. C'est dans le cahier des charges, carrément. Voilà. Oui, tout à fait. Ouais. Et vous pensez que c'est bien, Claude Almos? Vous n'allez pas le mettre au pied de votre lit. Enfin, de manière à créer une fratrie de cœur. Oui, c'est ça. Il pourrait être avec les autres enfants. Mais au pied de son lit, ou s'il n'a pas de place, le malheureux, parce qu'on le met dans le couloir, vu qu'il n'y a pas de place pour lui. Mais ça aurait pu être un partage de chambre avec les enfants qui sont déjà... Je crois que ça, c'est trop compliqué. Vu leur problématique et vu leur difficulté.
Et puis ça veut dire que les enfants de la famille, ils ont même plus leur territoire à eux. Voilà. Faut pas exagérer quand même. On sait déjà que quand il y a le petit frère ou la petite sœur qui naît, des fois le partage de la chambre, c'est pas terrible. Faut négocier. Alors vous imaginez quand c'est un enfant du dehors qui débarque. Merci. Merci mille fois, Claude Almoz, d'être venu nous éclairer sur ces familles de cœur. Écoutez, je vous l'ai dit pendant le reportage, moi j'ai très envie de vivre chez vous. Voilà. Je vous le dis, franchement, vous êtes solaire. On a 21 ans. Moi j'ai 43 ans. Si vous